you. Salut à tous, c'est Raga pour ce 4e épisode de Regarde dans le rétro sur Pokémon Jaune. Donc on reprend là où on en était, donc nous venons d'arriver à Azuria. Et nous allons pas faire la ligue, enfin la ligue, l'arène tout de suite. Voilà, la ligue Pokémon à ce niveau là ça va être un peu compliqué. Donc je vais prendre un peu de stock parce que nous allons aller libérer Léo. Donc le créateur du stockage de Pokémon sur PC, je vais y arriver. Et pour ça, il va falloir que je fasse le pont Pépite, hein, donc au nord d'Azuria. À la louche là, comme ça, je dirais que ça va nous prendre la vidéo. Hop. Et nous commençons direct avec un combat contre Régis. Bon. Étant donné que j'ai rush le Mont Sélénite, je vais être sûrement en level beaucoup plus bas. Ah oui, d'accord. Bon, Pikachu, ça va aller sur un PF avec. Ah oh. Purée. Hop. Oh, coup critique, ça c'est cool. Sabelette, donc pas avec le Pikachu, hein. Faire au singe. Ouais, j'ai 5-6 levels de moins. En moyenne. Oh. Heureusement, faire au singe a énormément de vitesse. Bon voilà, comme il a fait jet de sable, ça rate. Aïe. Oh, je m'en prends un deuxième, je meurs. Voilà, je m'en prends un deuxième et je vais mourir. Voilà. Bah, Roucoule par élimination. Vive attaque, ouais, je vais attaquer en premier. Oh. Oh, ça va être long. Ouais, gros coup critique. Hop. Furé, il va spam jet de sable, ça va bien m'embêter sur la suite du combat. Purée encore. Fou, ça a pas raté. Bon, voilà. Sabelette est décédé. Ratata. Je vais prendre Nidoran. Il me semble que les attaques combat font très mal face aux Pokémon normaux. Et Nidoran a double pied. Voilà. Ouf. Oh, oh, ça fait mal ça. Ouf. Bon, j'allais chercher les potions. Pas contre mort, pas contre mort. Oh purée. Bon bah. Au revoir Nidoran. Ça a été plaisir de te voir. C'était un plaisir de te voir. Bon Pikachu. Hop, vive attaque. Bon, Ratata est décédé, il reste plus que l'Evoli. Evoli que je devrais pouvoir gérer avec le Pikachu, je pense. Hop. Bon, je vais le paralyser pour avoir un peu la paix. Bon, ça l'empêche pas de faire Mimikeu, mais il me semble que ça va l'empêcher de faire charge. J'espère. Ou vive attaque, parce que je pense qu'il a vive attaque.
qu'en attendant, je lui fais pas masse de dégâts. Hein. Bon. Tant qu'il fait des baisses de stats, c'est bon. Oh purée, il a jet de sable. Purée, ça va être long encore. Et un deuxième jet de sable. Et c'est encore raté. Et ça l'a pas empêché de faire... Ouh. Oh. Oh, ça fait mal. Purée, encore un jet de sable. C'est vraiment insupportable comme attaque. Deux coups critiques d'affilée. C'est pas mal. Bon, voilà. Régis est mort. J'ai perdu la moitié des Pokémon dans l'histoire. Enfin, je retourne au centre Pokémon. Bon, blabla. Bon, je vais retourner au centre Pokémon. Parce que j'ai pris un peu cher. Ouais, je l'avais dit, je suis vraiment sous level, c'est galère. Bon, voilà, on va pouvoir enchaîner avec les dresseurs du pont Pépite. Donc il y a 5 ou 6 dresseurs d'affilée rien que dans la montée. Puis je dois pouvoir en éviter une partie ensuite, mais je dois pouvoir m'en taper 2 ou 3 je pense. Bon allez, premier dresseur. Ouais, 5 dresseurs plus le dernier. Bon, heureusement je peux retourner au centre Pokémon entre temps. Chenipan. Ouais. Bon, pas des mains. Ce serait bien qu'il continue à faire des sécrétions parce que c'est pas affecté par Vivattaque. Vivattaque qui attaque toujours en premier. Sauf si les deux Pokémon lancent Vivattaque, auquel cas c'est la vitesse du Pokémon qui y fait foi cette fois-ci. Mais bon, Chenipan va pas faire Vivattaque. Hein. Hop. Voilà. Donc, revoir le Chenipan. Aspico. Donc, je vais changer de Pokémon et je vais aller chercher le Nidoran qui est de type poison. Ce qui fait qu'il va être insensible à son Darvenin. Par contre, je peux pas faire double pied qui est un attaque de type combat qui est très faible contre les types poison. Donc, je vais y aller au coup de corne de type normal. Pas le choix. Voilà, Darvenin qui va me rien faire normalement. Voilà. Oh. Bon, voilà. C'est bon. Pour l'Aspico et le Scout en lui-même. Hop, on va enchaîner avec le deuxième parce qu'on n'a pas perdu trop de vie. Cool, bah Pikachu en premier, c'est bon, ça va, il va l'achever. Oh, oh, il est paralysé en plus. Deuxième effet qui se coule. Et ça l'a empêché d'attaquer. Bon bah voilà, au revoir Roukoul. Nidoran femelle. Si c'est, il a des attaques poison, je vais préférer envoyer le Rakaiou qui va être insensible aussi aux attaques poison, normalement. Charge peut faire grand chose. Waouh. Ah oui. Oh, double pied par contre, ça va pas faire plaisir ça. Oh, ça va encore. Parce que normalement les attaques combat sont faibles contre les attaques roche. Non, sont fortes contre les attaques roche, pardon.
Mais apparemment, le Rakaillou a masse de défense et très peu d'attaque, hein. C'est pour ça qu'il fait quasiment rien en dégâts. Ouais, c'est pas génial ça par contre. Oh. Je vais y aller au bluff avec le Crisacier. Au pire, s'il meurt, il meurt. Hop. Oh, ça lui fait rien. C'est cool ça. Par contre, charge risque de lui faire mal. Bon, évidemment, vu le level, j'ai pas de vitesse. Ah ouais, ok, je lui enlève rien. Genre, il a griffe. Ce serait bien que le Crisacier survive en fait. J'aimerais bien qu'il level un peu. Bon, je vais envoyer un troisième Pokémon, même si ça m'embête un peu. Il n'a pas l'air d'avoir d'attaque poison et double pied étant une attaque combat, ça va rallier. Oh! Ah, ça fait un peu mal quand même. Il a perdu 14, il va lui rester 1 PV. Voilà. Allez, une griffe critique. Non. Mais du ferruissement. Merci. Voilà. Hop. Bon, la fillette est morte, donc là, je vais aller au centre Pokémon pour soigner quand même. Hop. Hop. Et nous allons enchaîner avec le troisième dresseur du pont Pépite. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une équipe à peu près homogène. Hop. Ratata. Oh. Bah, double pied, ça va être bon. Ah, sauf qu'il a beaucoup de vitesse et beaucoup d'attaque. Mais pas beaucoup de défense. Ouf. Bon, la famille que si tu veux. Voilà. A plus de ratata. Ni de rang ni au 13, ça c'est bien. À bouffe. Abo, si je sais ce que je pense, il va spammer Ligotage, ça va être insupportable. Il faut que quelqu'un ait beaucoup de défense. Et voilà, un petit Ligotage qui me fait rien. J'ai bien fait de prendre le Rakaillou. Fais gros yeux si tu veux. Oh, ça va être long. Oh, que ça va être long. Et voilà, on voit tout de suite l'effet de gros yeux parce que le Ligotage m'enlève 2 PV maintenant. Une Darvenin qui va rien faire normalement. Hop. Ça a une chance non négligeable d'empoisonner, mais sur les Pokémon Roche, ça est encore moins efficace. Hop. Hop, bon, tant qu'il fait Darvenin, ça me va. J'ai envoyé le Crisacier pour lui faire gagner de la vie. Enfin, des levels plutôt. Fais gros yeux, c'est bien gros yeux. Oh, 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 oh. Purée, ça l'a pas tué. Ça me fait un peu mal, mais j'aimerais bien qu'il survive pour qu'il gagne de l'XP.
Oh, merci Ligotage Keshu. Oh, purée. Allez, attaque. Lâche-moi, saleté d'abo. Non, 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 non. Et purée. Bon. Bon, je vais finir au racaillou du coup, ça me... Dommage. Purée, mais tu pouvais pas faire gros yeux contre le crisacier. Voilà. Bon. Un racaillou niveau 12. Nocerapti. C'est un Pokémon vol, donc Pikachu devrait faire l'affaire avec des attaques électriques. Il fait même très bien l'affaire. Oh, un vampirisme, c'est original. Hop, éclair. Voilà. Mon troisième dresseur battu. Je vais retourner me soigner, hein. C'est vraiment pas... Je ne prends pas de risque. Hop. Bon, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je me soigne dans cette vidéo. Au même centre Pokémon. Non, 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 non. Bon, quatrième dresseur. Roucoule. Bah, Pikachu, du coup. Bon, vive attaque. Oh, hey, ça fait mal. Ça aussi, ça fait... Oh, ça, ça fait mal. Ouais, j'ai attaqué en premier, hein, parce que j'ai pas envie que Pikachu meure. Hop, Pikachu niveau 14. Qui sort de la zone rouge, du coup. Nidoran femelle. Je vais retenter l'attaque au ferro-singe. Au ferro-singe, au roucoule, je vais y arriver. Ça va être long. Et comme il se fait un enregistrement, je perds la force à chaque fois. Mais j'ai fait un coup critique, donc tant mieux. Il me fait assez mal, mine de rien, avec ses charges. Oh, bah, il me donne un deuxième coup critique. Hop, donc quatrième dresseur battu. Comment sont mes Pokémon? Normalement, ils mon cool Pikachu. Ouais, je vais tenter le dernier. Hop. Qu'un seul Pokémon, c'est bon. Ferro singe. Level 18. Oh. Ok. Donc au prochain coup, il va mourir. Un petit coup de potion sera pas mal.
Hop. Griffe. Putain, il a énormément d'attaques quand même. Bon, voyage a raté. Tant mieux. Point karaté. Ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Un coup critique en plus. Ben, je vais y aller au Crisacier. Un jour, il va réussir à gagner de l'XP. Voilà, gros yeux. Si tu veux. Hop, il chopera de l'XP au passage. Ok, donc Pikachu, c'était pas la peine. Vas-y, Roucoul. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc encore un coup critique. Bon, Crisacier, là tu peux le faire. Allez, vas-y. Je crois en toi. Allez, survie à la griffe, 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 survie à la griffe. Oui. Voilà. Ah ouais, d'accord. Level 7, level 9. Il n'y a pas de level 8. Ben, voilà. Crisacier au level 10. Voilà. C'est ça que j'essaye de faire. Voilà. Apprends choc mental. Là, on va pouvoir discuter. Hop. Par contre, il faut que je me soigne. Hein. Choc mental est extrêmement shit dans ce passage. Parce qu'on croise. Parce que les attaques psy, les types psy sont vraiment shit en première génération. Donc choc mental étant une attaque psy. Et surtout à ce niveau, on trouve très peu de Pokémon résistants aux attaques psy. Donc on fait assez mal. Hop. Du coup, je vais mettre Papusion en premier. Hein. Ça lui permettra de gagner de l'XP au passage. Comment tu vas, Pikachu? T'es content, tant mieux. Hop. Hop. Et dernier dresseur. Donc une pépite, hein, un objet qui, si on le vend, nous donne 5000 Poké-Dollars. Et en fait, c'était une personne de la Team Rocket qu'on va devoir affronter. Hop. Ah beau. Choc mental. Hein. Hop, choc mental. Oh non. Purée, le licotage. Bon. Heureusement que ce licotage fait pas. Purée. Je veux attaquer. Laisse-moi attaquer à beau de purée. Bon, voilà. Voilà, choc mental. Purée, je pensais lui faire plus de dégâts que ça. En même temps, il y a déjà 5 levels d'écart. J'aimerais bien qu'il me laisse. Voilà. Ligotage a échoué, c'est dommage. Darvenin. Ah, c'est un Pokémon insecte. Donc, poison contre insecte, c'est efficace. Hein. Bon. Non, mince. Oui, c'est pas le moment. J'aurais pu le tenter au bluff, mais j'aurais peur de me faire. Ouais, je serais mort, j'ai bien fait du coup. Hop. Bon, attaque encore. Hop. Choc mental.
Purée, encore un ligotage. C'est fini, oui? Hop, crotte. Ouais, mais à force, il m'a fait des gros yeux, donc forcément, j'ai perdu de la def. Mais... Tu vas me laisser en placer une, oui? Bon, bah non, apparemment. Bon, tu vas mourir. Même pas, quoi. Bon, heureusement, c'est gros yeux. Hop, fer au singe, level 11. Nosferapti, oui, je vais envoyer Pikachu. Hop, éclair. Oui, ça a échoué, parce que le traçon peut rendre enfin peut rendre fou et du coup on se prend des dégâts de la folie. Hop. Bon. Hop, blablabla. Ici j'ai un dresseur qui va me donner un Salamèche. Bon. Merci Salamèche. Hop. Pour l'instant, je vais le laisser dans le PC. Je sais pas encore si je vais le garder. Qu'est-ce qu'on a en vie? Je vais retourner au centre Pokémon. J'aimerais bien que le Papillusion level un peu. Level, du verbe leveler, évidemment. Énième passage au centre Pokémon. Hop, voilà. Voilà. Hop, donc on va pouvoir enfin avancer sur cette route de merde, hein, désolé de le dire. Hop, donc un dresseur que je ne peux pas éviter ici. Voilà. Un montagnard. Oh purée. Un racaillou. Ah, Onyx. Autant pour moi. Bah, choc mental, hein. Oups, ouf, étreinte a échoué. Parce que étreinte est sensiblement du même genre que ligotage, si je dis pas de bêtises. Hop. Bon, ça va. Ça enlève pas des masses quand même. Charge, ok. Oh! Bon bah potion hein. Hop. Charge encore. Oh ça fait mal bordel. Bon je vais envoyer le fer au singe. Balayage devrait le calmer un peu. Hop, balayage. Ouais balayage a rien calmé du tout ouais. Bah Nidoran, double pied. Hop. Purée mais. Bon ça va, au moins je fais. Je prends pas trop cher. Si j'arrive à attaquer. Bon.
Mais tu vas me foutre la paix, oui. Ah ouais, 5 tours, quoi. 4, 5, je sais plus, je sais pas compter. Bon, voilà, double pied. Purée! Bon, étreinte. Bon, tu vas me laisser attaquer, oui. Non, encore étreinte, ok. Bon, encore un coup. Encore un coup. Épurée, il m'a pas lâché. Bon bah, au revoir Nidoran. Bon bah, recoule par élimination. Vive attaque. Oh. Ça va être long. Mon grincement, je perds de la def à fond. Un petit vive attaque critique, même pas. Bon, étreinte, évidemment, ça va me faire mal, voilà. Je n'aime vraiment pas ligotage et étreinte et tout ce genre de truc. Hop, vive attaque. Allez, meurs. Lance grincement. Oui, grincement, c'est bien. Allez. Vive attaque. Meurs maintenant. Même pas. Bon bah, au revoir, on coule. Papillusion. Survie. Ouf, oui. Merci pour l'XP. Hop, papillusion, level 11. Et bah, c'était chaud. Il avait qu'un seul Pokémon. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai perdu 3 Pokémon, presque 4. Ouais, allez, je vais le tenter. Hop, donc lui je l'évite. Et je peux pas l'éviter. Non. Voilà. Allez, dis-moi que t'as des Pokémon sensibles au psy. Nidoran. Oh, ça devrait le faire. Il me semble que c'est poison. Psy contre poison, ça doit faire mal. Hop, choc mental. Ça, c'est très efficace. Oh, ça ne sert à rien. Hop, voilà. Au revoir Nidoran, c'était un plaisir de te voir. Hop, et nous avons un Nidoran femelle. On va retenter, on va continuer à faire pareil. Ah, et puis j'attaque en premier en plus. Hop, double pied, ça va rien me faire encore. Et 2 PV quoi. Hop. Charge. Oh. Voilà. Au revoir le Nidoran. Papillusion level 12. Hop, bon bah, je vais soigner tout de suite le Papillusion. Non, je vais la jouer safe. Je vais retourner me soigner toute la team. Ça fait perdre du temps, mais... faire une mort complète me ferait perdre encore plus de temps. Hop. Voilà. Bon. Normalement, il devrait rester au max 2-3 dresseurs. J'en ai vu un à côté que je ne pouvais pas éviter.
peut-être enfin réussir à libérer Léo. Oups. Hop, 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 hop. Donc lui, je l'ai fait. Elle, je l'ai faite. Et... ok, je suis obligé de me faire celui-là. Voilà. Hop. Hop, deux Pokémon, ça va. Ratata. Je pense pas que tu vas aimer le choc mental. Bon, vive attaque et attaque en premier forcément. Hop. Devient dingue, la folie inflige des dégâts. Folie inflige des dégâts, c'est bon. Oh, ça l'a pas tué. Ah ouais, mais j'enchaîne avec choc mental, donc c'est bon. Hop, elle va appeler Abo. Oh non. Bon, c'est bon, j'attaque en premier, ça sera toujours des dégâts de fait. Il fait gros yeux et échoue. Allez, deuxième choc mental. Et tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Non. Darvena, par contre ça va me faire mal. Mais ça va pas empoisonner, donc c'est bon. Voilà. Hop, donc dresseur vaincu. Hop, donc elle, je peux pas l'éviter. Et c'est le dernier dresseur avant Léo. Hop. Mystère. Oh, Pokémon plante. Est-ce que tu aimes le psy? A priori, non. Ça devrait pas me faire grand-chose. Ah non, vraiment rien. Ah, mais c'est un plan de poison, donc forcément, le psy va lui faire des dégâts. Hop. On me fait vol vie si tu veux, tu vas gagner un PV. Hop. Et encore un choc mental. Au revoir Mister. Hop. Poudre toxique, ça peut être chiant. Là, au revoir armure ou sécrétion. Armure. Hop, sécrétion. Poudre toxique, je vais y arriver. Roucoule. Ouais, je vais aller au Pikachu. Valeur sûre. Et puis j'ai un level de plus hein, que le Roucoule. Hop. Hop. Purée, jet de sable. Bon, ça n'a pas échoué, tant mieux. Et un dernier Pokémon. Un Mysterbe. Bah, je vais remettre Papillusion. Hein. Ça avait l'air d'être efficace. Hop. Choc mental. Bon, il va m'enlever un PV. Voilà. Hop, et encore un choc mental, et ce sera plié. Hop, choc mental. Hop, c'est fait, enfin. Vraiment galéré à cause des nouvelles en moins. Mais en tout cas, maintenant... ok. Ah oui, c'est vrai, Léo est transformé en Pokémon. Allez, je vais l'aider. Hop. Pikachu, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Hop.
Ah bah voilà Léo. Voilà. Donc blablabla, collection de Pokémon, non. Hop, passe-bateau pour l'océan. Hop. Hop. Mince, j'ai lancé deux fois la phrase. Hop, bon, je vais rentrer à Azuria, puis on va arrêter ici. Je vous fais grâce du retour à Azuria. On évite tous les dressards en plus. Donc bah voilà, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez passons sur les réseaux sociaux, tout ça, vous avez les liens dans la description. Et puis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Allez, ciao!